D'où vient la Belgique et où va-t-elle? En bref. Intéressons-nous d'abord à son indépendance. L'histoire de la Belgique moderne commence au début du XIXe siècle. Le continent européen traversait une période d'instabilité à la suite des invasions dévastatrices de la France napoléonienne. Ces guerres incessantes s'étaient conclues par la défaite des troupes françaises face à une coalition anglo-néerlando-prussienne sur les plaines de Waterloo en 1815. Les grandes puissances d'Europe s'étaient alors réunies au Congrès de Vienne pour remettre de l'ordre et redéfinir les frontières. C'est à ce moment que la décision a été prise de créer un plus grand territoire intermédiaire entre les trois rivaux du nord-ouest du continent. Le Royaume-Uni, l'Allemagne de l'époque et la France. Ce pays neutre, connu sous le nom de Royaume-Uni des Pays-Bas, devait permettre de réduire les tensions en limitant les frontières partagées entre ses voisins. Il devait aussi pouvoir opposer une certaine résistance en cas d'attaque, afin d'offrir plus de temps aux autres parties pour qu'elles puissent se préparer. Le Royaume-Uni des Pays-Bas était principalement composé des territoires actuels des Pays-Bas au nord et de la Belgique au sud. Son nouveau roi, incompétent et despotique, était Guillaume Ier. Sa capitale était Amsterdam et sa langue d'État était le néerlandais, plus précisément la variante locale d'Amsterdam, qui était bien distincte des patois germaniques et latins parlés dans le sud du territoire. Face aux autorités d'Amsterdam, qui imposèrent leur pouvoir et leur dialecte de façon autoritaire, une élite indépendantiste se forma dans la partie sud. Quelques années plus tard, en 1830, cette élite déclara unilatéralement l'indépendance de cette région et elle forma progressivement la Belgique. Après la déclaration unilatérale d'indépendance, l'élite, dirigée par une bourgeoisie plutôt instruite et francisée, ne s'intéressait pas aux préoccupations de la population, qui était plutôt rurale, peu instruite, et qui s'exprimait majoritairement dans des patois germaniques et latins. L'élite indépendantiste cherchait avant tout à protéger divers intérêts à court terme. Elle avait une vision propre de ce que ce nouveau pays devait devenir. Sa principale inquiétude était la quête de reconnaissance internationale, dans une Europe instable et tout juste sortie d'un énième conflit. Le reste du continent voyait d'un mauvais œil cette situation qui ne correspondait pas à ce qui avait été convenu au Congrès de Vienne. L'élite indépendantiste, non représentative des intérêts de la population, parvint finalement à faire confirmer par les puissances régionales de l'époque l'indépendance du territoire et sa neutralité, entre autres en proposant un dignitaire anglo-allemand comme roi, en choisissant le français comme langue d'État et en acceptant de prendre en charge une partie de la dette publique qui pesait sur les autorités d'Amsterdam encore hésitantes. Quand il fallut nommer ce nouveau pays, cela se fit en référence aux premières tribus sédentarisées connues dans la région. Ces tribus étaient celtes et étaient connues sous le nom de Belgues ou Belga en latin. En ce qui concerne le Grand-Duché du Luxembourg, qui se situe au sud-est de la Belgique, il s'éloigna aussi des autorités d'Amsterdam et il prit son indépendance quelques années plus tard. Portons maintenant notre attention sur les origines de la population et sur les trois langues officielles. La population du territoire belge a diverses origines. Les quelques éléments suivants permettent d'en avoir une meilleure idée. Vers 10 000 ans avant notre ère, la dernière période glaciaire prend fin. Les glaciers qui recouvrent le centre et le nord de l'Europe fondent, ce qui rend ces régions à nouveau hospitalières pour les chasseurs-cueilleurs. Vers 2 000 ans avant notre ère, des tribus celtes originaires d'Asie se seraient installées en Europe, notamment sur le territoire actuel de la Belgique. L'écriture n'était pas courante chez ces peuples celtes et on n'a retrouvé que peu de traces de leur présence. Ils avaient leur propre langue, d'origine celtique, leurs croyances religieuses et peut-être des traits physiques particuliers dont on ne sait pas grand-chose. La seule certitude, c'est qu'ils ne parlaient pas de patois wallon ou flamand ou encore le français, car ces idiomes ne se sont développés que bien plus tard. Une cinquantaine d'années avant notre ère, c'est l'Empire romain qui envahit ce territoire occupé par des tribus celtes. Parmi les tribus celtes présentes figurait celle que des chroniqueurs et historiens romains appelaient Belga. L'Empire romain y imposa la langue latine, qui donna naissance au patois wallon, encore parlé par une minorité de la population. Quelques centaines d'années plus tard, ce furent des tribus germaniques avoisinantes qui prirent le contrôle de ce territoire. Elles apportèrent à leur tour leur propre langue,
Ces langues germaniques donnèrent naissance au patois flamand, des variantes locales du néerlandais qui sont parlées dans le nord du pays aujourd'hui. Cette période est marquée par la déchéance de l'Empire romain, qui faisait face à des problèmes internes et qui s'était embourbé dans des campagnes militaires sans fin pour tenter d'envahir de nouveaux territoires, en vain. Les tribus de barbares germaniques, comme les appelaient certains Romains, envahirent alors cet empire belliqueux, arrogant et décadent. Parmi les envahisseurs germaniques, venus du centre et du nord de l'Europe, citons en particulier les Angles, qui donnèrent leur nom à l'Angleterre, et les Francs, qui donnèrent leur nom à la France. Ensuite, et jusqu'à l'indépendance de la Belgique, son territoire est divisé et partagé par différents États étrangers, entre autres l'Angleterre, la France, l'Espagne, l'Autriche et le Royaume-Uni des Pays-Bas. En 1830, après l'indépendance de la Belgique, l'élite indépendantiste chercha à imposer la langue française dans l'administration publique et dans l'enseignement, alors qu'à l'époque, le français n'était qu'une langue étrangère, qui n'était pas parlée par la population. L'élite indépendantiste mit en place des mesures discriminatoires pro-francophones pour pousser la population à abandonner ses langues maternelles et à adopter le français à la place. Parmi les mesures discriminatoires, on peut citer celles qui avaient pour objet de réserver les postes importants dans la fonction publique et dans les entreprises privées aux personnes parlant couramment le français. Les mesures discriminatoires pro-francophones ont évidemment créé des tensions, en particulier dans le nord du pays, néerlandophone et plus pauvre, et qui était négligé par les autorités nationales. Nous reviendrons sur ce point un peu plus tard. En ce qui concerne l'arrivée de personnes originaires d'Afrique centrale et les liens particuliers avec cette région, intéressons-nous à la période coloniale belge. Après la conférence de Berlin en 1885, le roi esclavagiste Léopold II décida d'envahir le centre de l'Afrique et d'y fonder la colonie du Congo. L'État belge participa au financement de ce projet privé et il finit rapidement par en prendre le contrôle suite aux scandales internationaux que suscitèrent les pratiques atroces du pouvoir colonial. Des massacres de masse avaient en effet eu lieu lors de l'invasion de cette région. Les journalistes de l'époque et les historiens estiment qu'il y aurait eu entre plusieurs centaines de milliers et plusieurs millions de victimes. Les survivants n'avaient pas pour autant été épargnés. Après être tombés entre les mains de l'administration coloniale belge et de ses entreprises, ils devaient par exemple leur payer un impôt obligatoire sous la forme de travail forcé, notamment pour la récolte de caoutchouc et d'huile de palme. Quand l'État belge reprit le contrôle de la colonie du Congo, le travail forcé en échange de nourriture, les châtiments corporels pour les récalcitrants et les exécutions publiques se poursuivirent, les lois votées en Belgique pour interdire ces pratiques n'ayant pas permis d'y mettre fin. Au fil des décennies, les révoltes anticoloniales se multiplièrent jusqu'à l'indépendance sabotée du Congo en 1960. Cette fausse indépendance fut en effet directement suivie par une intervention militaire belge ainsi que par des ingérences politiques. La confusion créée par ces intrusions grotesques de responsables belges au Congo, au lendemain de sa déclaration d'indépendance, plongea la population de ce nouveau pays dans une situation dramatique qui se poursuit aujourd'hui. Après ce détour par l'Afrique centrale, revenons en Belgique. Les vagues d'émigration et d'immigration font partie de l'histoire de toute région. Intéressons-nous ici en particulier au XXe siècle, qui a été marqué par des périodes de prospérité et par deux guerres mondiales. Les différentes périodes de plein emploi et de reconstruction d'après-guerre incitèrent les autorités publiques et les entreprises privées à faire appel à un nombre important d'immigrés en provenance du sud de l'Europe, du nord de l'Afrique et d'Anatolie. Ces immigrés apportèrent d'abord leur soutien dans les mines de charbon et dans l'industrie sidérurgique. Par la suite, ils travaillèrent dans les usines et ils participèrent aussi aux grands travaux publics, comme la construction des premières autoroutes du pays et des principales galeries de métro de Bruxelles. En ce qui concerne les cantons de l'Est, majoritairement germanophones, qui se situent à la frontière belgo-allemande, cette région appartenait à l'Allemagne par le passé. La Belgique l'annexa en 1920, à la suite de la Première Guerre mondiale. Et pour conclure, après la Deuxième Guerre mondiale, la construction de l'Union européenne s'amorça, ce qui favorisa la circulation de ses citoyens sur le continent. Concentrons-nous maintenant sur les trois langues officielles du pays. La Belgique a trois langues officielles,
le néerlandais et ses variantes régionales, qui sont parlées par 60% de la population dans le nord du pays, en Flandre. Le français, qui est parlé par 40% de la population dans la capitale administrative Bruxelles et dans le sud du pays, en Wallonie. Et l'allemand, qui est parlé par une minorité présente à l'est de la Wallonie. Pour mieux comprendre cette situation, revenons à certains faits marquants de l'histoire. Une cinquantaine d'années avant notre ère, l'Empire romain envahit ce territoire qui était occupé par des tribus celtes. L'Empire romain y imposa la langue latine, qui donna naissance au patois wallon, des patois qui ne sont quasiment plus parlés de nos jours. Quelques centaines d'années plus tard, des tribus germaniques avoisinantes prirent le contrôle de ce territoire. Ces tribus apportèrent à leur tour leur propre langue. Leurs langues germaniques donnèrent naissance au patois flamand. En ce qui concerne les patois flamands, il est intéressant de préciser qu'ils se rapprochent de plus en plus du néerlandais standard des Pays-Bas, sur le plan du vocabulaire et de la grammaire. Mais ils gardent cependant certaines particularités régionales, pour ce qui est de la prononciation par exemple. De nos jours, le néerlandais standard est fixé par l'union de la langue néerlandaise. The Nederlandse Taalunie. Cette union inclut les Pays-Bas, leur ancienne colonie du Suriname et la Belgique. Le fait que les patois flamands se rapprochent de plus en plus du néerlandais standard est dû aux médias de masse et à l'enseignement public qui l'ont adopté et qui le diffusent au sein de la population. Rappelons ici qu'en Belgique, l'accès à l'enseignement ne s'est démocratisé que grâce à sa gratuité à partir de 1914. À présent, penchons-nous sur le français. En 1830, après la formation de la Belgique, l'élite indépendantiste chercha à imposer la langue française, notamment en passant par des mesures discriminatoires pro-francophones. La capitale administrative Bruxelles et le sud du pays, plus prospère, abandonnèrent progressivement les patois germaniques et latins pour le français. Cependant, la politique de francisation par la contrainte et les discriminations ne fonctionna pas dans le nord du pays néerlandophone, qui était plutôt rural et pauvre à l'époque. En revanche, cela créa des tensions linguistiques, et de nos jours, la Belgique souffre encore de ces blessures. Le néerlandais ne fut finalement reconnu comme la deuxième langue officielle qu'à la suite de longues décennies de protestations, parfois violentes. Après la Première Guerre mondiale, la Belgique annexa les cantons de l'Est, qui appartenaient à l'Allemagne et qui étaient majoritairement germanophones. Par la suite, l'allemand fut reconnu comme la troisième langue officielle du pays, à côté du français et du néerlandais. En ce qui concerne les trois régions administratives de Belgique, leurs frontières actuelles se figèrent à partir des années 60. C'était principalement une revendication de néerlandophones qui en avaient assez des dénigrements et des discriminations pro-francophones. Jusque-là, cette situation abusive poussait toujours plus de néerlandophones à abandonner leur langue maternelle pour le français. Cela créait des conflits et favorisait la formation de mouvements indépendantistes néerlandophones. La francisation progressive de Bruxelles et de sa périphérie se trouvait au centre de ces tensions d'ordre linguistique. En ce qui concerne les années 60, il est important de se concentrer sur les bouleversements économiques qui ont eu lieu à cette époque. De l'indépendance de la Belgique jusqu'aux années 60, le sud du pays était plus prospère grâce à ses mines de charbon et à son industrie sidérurgique. Mais cette situation changea brusquement. L'arrivée du pétrole bon marché et le développement de nouvelles technologies rendaient le charbon et la sidérurgie moins intéressants et rentables. Les investisseurs et les autorités nationales se réorientèrent alors vers le nord du pays, qui n'était pas pénalisé par ces industries en déclin et qui possédait aussi un avantage considérable grâce à son accès à la mer du Nord. Il pouvait donc plus facilement tirer profit du commerce international par voie maritime qui était en plein essor. Le nord du territoire, qui était jusque-là plutôt rural et pauvre, devint soudainement le moteur économique du pays. Cette position favorable donna plus de poids au nord du pays en ce qui concerne ses revendications économiques, politiques, mais aussi linguistiques, avec la défense du néerlandais face à l'avancée du français. C'est dans ce contexte particulier que trois régions administratives ont été créées. Tout d'abord, la Flandre néerlandophone, au nord, où le néerlandais est la langue officielle, utilisée par l'administration, l'enseignement et les médias publics. Ensuite, la Wallonie francophone, au sud, où le français est la langue officielle, sauf pour la minorité germanophone présente à l'est, qui bénéficie d'une certaine autonomie. Et finalement, la région de Bruxelles-Capitale, où le néerlandais et le français sont reconnus comme langue officielle.
Cette ville-région est particulière dans le sens où elle était néerlandophone lors de l'indépendance de la Belgique et elle est devenue majoritairement francophone depuis. Dans cette région administrative, les citoyens peuvent s'adresser aux autorités publiques aussi bien en français qu'en néerlandais et l'enseignement peut être organisé dans l'une de ces deux langues. La création de la Flandre en tant que région officiellement néerlandophone a permis de contenir l'avancée du français dans le nord du pays, en particulier dans la périphérie bruxelloise. Cependant, l'arrivée continue de francophones unilingues y constitue encore une source de tension. Face à l'absence de solution, ces tensions d'ordre linguistique sont exploitées par les partis indépendantistes néerlandophones. Ces partis, qui n'ont pas d'objectif cohérent, se contentent d'accroître leur popularité en jetant de l'huile sur le feu, à la moindre occasion. Ces tensions deviennent de plus en plus problématiques. En effet, elles menacent la stabilité politique et territoriale du pays, les crises gouvernementales de ces dernières années nous l'ayant rappelé à plusieurs reprises. Dans cette situation, il semble indispensable de chercher à comprendre les stigmates du passé pour pouvoir y faire face. Il semble tout aussi crucial de proposer des solutions positives et constructives afin de restaurer la confiance et de répondre aux réels défis de notre société. Ces défis concernent l'amélioration de l'apprentissage des langues dans l'enseignement, bien sûr, et ils concernent plus généralement l'actuelle transition socio-économique et technologique. Cette transition, qui a débuté, demande une refonte transparente et progressiste de la manière d'organiser notre société. Cela concerne en particulier l'enseignement, l'économie et la sécurité, ainsi que la mobilité et la recherche scientifique. En ce qui concerne les préjugés absurdes sur les différences linguistiques, comme ceux sur les néerlandophones et les francophones, dont certains pseudo-journalistes raffolent, il est évident que les parcours personnels font les individus et déterminent largement leurs caractéristiques linguistiques, comportementales, intellectuelles, etc. On entend parfois, à tort, que ce serait la langue maternelle qui façonnerait tout cela. À l'heure de la mondialisation, il n'y a aucun doute sur le fait qu'une langue en soi, ou ce qui est encore plus absurde, une nationalité ou une couleur de peau ou de cheveux, ne joue qu'un rôle mineur dans ses caractéristiques individuelles. Plusieurs langues et lieux géographiques dans notre voisinage peuvent être observés pour illustrer cette réalité. Il suffit de jeter un coup d'œil en Flandre pour se rendre compte que la population néerlandophone est très diverse, que cela soit sur le plan des talents, des personnalités et des idées. Parmi les néerlandophones de Flandre, il y a aussi bien des indépendantistes violents, encore prisonniers des blessures du passé, que des citoyens du monde et des altermondialistes idéalistes. Nos voisins allemands, germanophones, permettent aussi d'illustrer cette diversité. Parmi ces germanophones, on trouve des néo-nazis égarés par certaines théories raciales, mais on trouve aussi des pacifistes, des philosophes et des scientifiques qui œuvrent quotidiennement pour un monde meilleur. De même, en ce qui concerne les francophones de France, on trouve d'anciens collaborateurs nazis et des nationalistes qui glorifient la désastreuse période coloniale, en considérant les massacres et pillages commis sur tous les continents comme des détails sans importance, ou encore, ces derniers prétendent ignorer qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la France coloniale a divisé ses territoires coloniaux instables en faux pays soi-disant indépendants, et que la France coloniale y a armé des traîtres criminels locaux afin d'y installer de misérables dictatures corrompues instables. Parmi ces faux pays, aux frontières quasiment rectilignes, citons l'exemple de l'Algérie, qui porte un nom dérivé de sa capitale administrative, Alger. Ajoutons aussi l'exemple du Maroc, qui porte un nom dérivé de la ville de Marrakech, et qui, en arabe, est communément appelé le Maghreb, bien qu'il ne représente qu'une toute petite partie de cette région. À côté de cela, et heureusement, parmi les francophones de France, on trouve aussi des humanistes et des philanthropes qui s'investissent dans des projets de développement à travers le monde, ainsi que des intellectuels pacifistes de renommée mondiale, à l'image du très populaire Mathieu Ricard, qui est moine bouddhiste, docteur en génétique et écrivain. Il est aussi essentiel de préciser que les milliers de langues utilisées dans le monde ne sont pas des rochers immuables qui seraient tombés du ciel dans des temps anciens. Pour donner une image simplifiée, on pourrait parler d'ensemble de sons ou de signes dans certains cas. Ils ont évolué au fil du temps et ils sont échangés pour communiquer des pensées. Ajoutons ici que cette communication de pensées n'est pas parfaite et qu'elle peut être à l'origine de malentendus. Une langue se base principalement sur un vocabulaire qui est constitué de mots associés à des personnes, des actions, des éléments matériels ou immatériels, etc.
Il y a ensuite une grammaire constituée de règles d'assemblage de mots, comme leur place dans une phrase, ou encore les déclinaisons qui permettent d'offrir plus de clarté et de formuler des idées plus complexes. Et pour finir, il y a des variantes et accents locaux, des expressions, des références culturelles et, parfois, des nuances descriptives particulières qui viennent enrichir le tout. Les langues ne sont pas figées, elles naissent et elles continuent d'évoluer en s'adaptant à travers le temps et les régions. Ce point explique les différents accents et patois qui ont été influencés par des apports locaux. Ces derniers peuvent évoluer indépendamment les uns des autres jusqu'à développer leur propre prononciation, vocabulaire et grammaire. C'est par exemple le cas des variantes régionales du latin de l'Antiquité. L'évolution de ces variantes locales a donné naissance aux langues romanes contemporaines comme l'italien, le roumain et le français. Pour l'écriture, ces langues romanes utilisent des variantes de l'alphabet latin, qui descend de l'alphabet grec, descendant à son tour de l'alphabet phénicien développé au Moyen-Orient. Comme autre exemple de groupe linguistique, on peut citer les langues germaniques, telles que le néerlandais, l'allemand et l'alsacien, qui sont nées d'une même langue proto-germanique plus ancienne. Et comme dernier exemple, mentionnons les langues sémitiques, telles que l'araméen, l'arabe et l'hébreu, qui sont nées d'une langue commune utilisée au Moyen-Orient dans l'Antiquité. Intéressons-nous à présent à la situation actuelle, et en particulier à trois problèmes existentiels que rencontre la Belgique. Commençons par la menace séparatiste en Flandre, une région qui représente 60% de la population belge. Les partis séparatistes néerlandophones y ont recueilli près de la moitié des suffrages lors des dernières élections. Ce résultat traduit une méfiance grandissante envers l'État fédéral, entre autres à cause des stigmates causés par les discriminations pro-francophones du passé et de l'arrivée constante de nouveaux francophones unilingues en périphérie bruxelloise. Cette méfiance est aussi causée par l'appauvrissement continu de la population. Si cette situation se poursuit, d'autres tensions sont à prévoir, comme le partage de la dette souveraine, la redéfinition du statut de Bruxelles et les revendications autonomistes de minorités francophones présentes en Flandre. Au mieux, cela produirait une crise politique plus complexe que celle de 2010, et au pire, cela conduirait à un scénario cacophonique d'une déclaration d'indépendance unilatérale de la Flandre, comme cela s'est récemment produit en Catalogne. Des pistes de solutions existent, bien sûr. Citons en particulier, tout d'abord, le renforcement de l'esprit critique, notamment en démystifiant les biais cognitifs. Le cerveau tend à simplifier la réalité, en passant par des raccourcis intellectuels, comme le biais de confirmation, la dissonance cognitive et l'excès de confiance. On peut citer l'exemple d'un francophone qui aurait entendu les pires clichés sur les néerlandophones, notamment ceux véhiculés par les médias mainstream. Cette personne tendra à répéter ces idioties et à se méfier des néerlandophones de manière irrationnelle, même si elle ne connaît personnellement aucun néerlandophone. Et vice-versa, un néerlandophone qui n'a été exposé qu'aux pires clichés sur les francophones tendra aussi à s'en méfier de manière irrationnelle. Pour renforcer l'esprit critique, il serait utile de s'intéresser à nos faiblesses cognitives et de chercher à comprendre les différences de point de vue. S'intéresser aux mécanismes biologiques liés au stress et aux émotions semble aussi nécessaire pour pouvoir mieux les gérer et ainsi éviter certains comportements violents ou absurdes dans des situations banales. À côté du renforcement de l'esprit critique, il serait opportun de favoriser l'émergence d'une société plurilingue à l'aide d'une immersion linguistique partielle dès l'enseignement primaire. En effet, l'apprentissage des langues est le fruit d'un processus naturel en bas âge. Si on prend le cas d'un enfant qui s'adresse à son père en néerlandais et à sa mère en français, et qui est scolarisé dans une école anglophone, cet enfant apprendra naturellement la prononciation, le vocabulaire et la grammaire de ces trois langues. Comme mesure concrète, d'ici 2025, on pourrait par exemple introduire au minimum 6 heures de cours par semaine dans l'une des deux autres langues nationales. Cela représenterait plus ou moins 20% des cours et cela concernerait éventuellement les cours de géographie, de gymnastique et bien sûr les cours de langue, mais sous une forme plus interactive et utile, comme les ateliers créatifs. Parallèlement au renforcement de l'esprit critique et de l'immersion linguistique partielle, il semble indispensable d'inclure plus de pratiques dans l'enseignement. Cela aiderait les étudiants à décoder les défis socio-économiques complexes que notre société rencontre. Des activités pratiques, d'une demi-journée par semaine par exemple, seraient utiles dans ce sens, avec la gestion d'un potager au sein de l'école pour mieux assimiler des connaissances utiles en chimie et en biologie, avec des ateliers de stylisme pour favoriser la créativité et comprendre la globalisation actuelle de l'économie,
et avec la conception virtuelle d'une maison passive et autonome afin de susciter plus d'intérêt pour les nouvelles technologies. Le degré de complexité de ces activités serait évidemment adapté au niveau d'études, tout en restant concret. Comme deuxième problème existentiel, citons le déclin économique. Ce déclin est causé par différents facteurs, parmi lesquels les innovations disruptives, comme l'automatisation de tâches aussi bien physiques qu'intellectuelles à présent. Ces innovations tendent à créer moins de postes qu'elles n'en détruisent. Quant aux postes créés, ils requièrent du personnel de plus en plus qualifié et ce personnel doit en permanence poursuivre son apprentissage pour ne pas être rapidement dépassé. Ensuite, nos entreprises rencontrent une concurrence internationale déloyale. Elles font face à des entreprises étrangères qui ne respectent ni leurs travailleurs ni les normes environnementales. Cette tendance s'accentue à cause de comportements de consommation irresponsables qui n'accordent aucune importance aux travailleurs exploités à l'autre bout du monde. Face à des clients qui ignorent le bien-être des travailleurs, nos entreprises ont de moins en moins de raisons d'investir chez nous et d'y maintenir des emplois. Ces entreprises sont encouragées à s'en aller ailleurs pour fabriquer leurs produits en exploitant des travailleurs. Elles peuvent ensuite importer ces produits en Belgique et les vendre aux mêmes consommateurs. Cela concernait principalement la fabrication de produits par le passé, mais depuis plusieurs années, cela concerne aussi le secteur des services. Comme exemple d'entreprise rentable et aussi critique, qui délocalise de plus en plus d'emplois, citons ING dans le domaine bancaire, Engie dans le domaine de l'énergie et Proximus dans le domaine des télécommunications. Dans cette situation, on pourrait tout d'abord encourager une consommation et donc une production de biens et services plus responsables. Ce serait possible en mettant en valeur les produits conçus de manière éthique et responsable, à l'aide d'un marqueur de couleur par exemple. Cela permettra aux consommateurs de distinguer ces produits plus facilement et ainsi de prendre des décisions d'achat plus judicieuses. Il semble aussi indispensable de revaloriser la formation continue, entre autres en rendant l'offre publique plus accessible pour les travailleurs occupés. Une journée de formation par mois, offerte systématiquement à tous les travailleurs, les encouragerait à poursuivre leur apprentissage. Les domaines de formation pourraient être choisis librement par le travailleur en fonction de ses intérêts et de ses besoins. Cela pourrait aller de l'informatique à la méditation, en passant par l'agriculture urbaine pour nourrir les villes de demain. Pour finir, les investissements responsables pourraient être encouragés en alignant les incitants fiscaux existants avec des objectifs durables et à long terme. Comme troisième problème existentiel, ajoutons le terrorisme d'État, qui résulte d'une perte de contrôle de services de sécurité nationaux. À l'étranger, cela s'est traduit par une multiplication d'interventions militaires chaotiques, comme les tentatives échouées d'installation de dictatures instables en Afghanistan, en Irak, en Syrie et en Libye. En Belgique, cela a pris la forme de mesures criminelles qui ciblent des citoyens lambda, mesures qui se traduisent par des centaines d'arrestations et de perquisitions sans réel motif sur base des préjugés haineux répandus par la propagande de guerre. Cela a aussi pris la forme de surveillance de masse destructive, de manipulation, de harcèlement et de torture psychologique de simples civils sans histoire. Dans la situation actuelle, il semble nécessaire de rapatrier immédiatement les soldats qui déstabilisent des pays étrangers et soutiennent des dictatures. Ils osent encore prétendre vouloir exporter la démocratie et les droits de l'homme en bombardant des civils et en offrant des armes et des formations à des traîtres criminels locaux pour y mettre en place des dictatures instables. Des dictatures qui, en retour, nous renvoient une partie des problèmes créés. Il semble aussi indispensable de dépolluer nos médias des mensonges de la propagande de guerre. Car, en effet, il n'y a pas d'armes de destruction massive en Irak, même si la plupart des médias l'ont répété pendant des mois avant de reconnaître que ces fake news officielles étaient complètement aberrantes. Au sujet du prétendu État islamique ou Daesh, omniprésent dans nos médias, rappelons que ces noms récemment inventés étaient inconnus avant 2003, et plus précisément avant le début de la lamentable recherche d'armes de destruction massive imaginaire en Irak. Face au scandale des mensonges absurdes propagés par la propagande de guerre et face à l'instabilité croissante de la dictature qui a été mise en place par la suite, les représentants militaires des armées étrangères impliquées n'ont rien trouvé de mieux à faire que de diaboliser toute forme de résistance. De cette manière, ils tentent inutilement de nier leur implication flagrante dans le drame humain qu'ils ont causé. La réalité est plus complexe que les noms qu'ils ont inventés pour essayer de détourner l'attention de leurs crimes. En réalité, des centaines de groupuscules armés se sont formés dans les ruines de la fausse recherche d'armes de destruction massive dans la région.
Parmi ces groupuscules se trouvent aussi bien des malfaiteurs créés par cette guerre néocolonialiste sans fin que des résistants qui se défendent face à des dictatures de criminels corrompus. Il ne fait aucun doute que les interventions d'armées étrangères sont responsables de cette situation. Incontestablement, ce conflit ne vise absolument pas à exporter la démocratie ou le respect des droits humains en Irak. Il vise principalement à y soutenir l'installation d'une dictature aussi incompétente qu'opaque et instable, et cela à nos dépens sur les plans humains et sécuritaires. Ajoutons aussi l'invasion de l'Afghanistan à la suite des attaques du 11 septembre 2001, alors que la plupart des suspects étaient originaires de la dictature instable d'Arabie Saoudite, une dictature qui continue à terroriser sa propre population et celle de pays voisins, notamment à l'aide d'armes et d'équipements fournis par quelques entreprises belges sans scrupules comme la FN Herstal. Quant aux autres noms diabolisés par la propagande de guerre, citons l'exemple du mot taliban qui signifie étudiant. Ce mot a été récupéré un peu par hasard pour inventer un nouvel ennemi inhumain, un prétendu monstre diabolique contre lequel tous les abus et tous les crimes de guerre seraient justifiés, au détriment de tous. Les problèmes initiaux dans ces régions sont principalement d'ordre socio-économique. Ces problèmes se sont aggravés à cause des invasions coloniales du XXe siècle et à cause des armes fournies à des régimes tyranniques, entre autres par quelques-unes de nos entreprises nationales. Les nouvelles guerres néocolonialistes insensées qui visent à contrôler des territoires étrangers en massacrant des civils et en installant des régimes oppressifs ont déstabilisé le voisinage de l'Union européenne. Et ces guerres se propagent à présent dans notre direction. Il semble crucial de chercher à comprendre la situation actuelle de manière objective, sans passer par les mensonges fascistes de la propagande de guerre, tels que « ils sont méchants parce qu'ils donnent un autre nom à Dieu »,« il y a des armes de destruction massive, imaginaires », ou encore « tous les abus et crimes sont permis au nom de fausses intentions de démocratisation ». La première étape pour la résolution de tout problème semble être de reconnaître les fautes commises par le passé et d'en condamner les responsables afin de restaurer la confiance, de favoriser un rassemblement des intervenants et de concevoir des solutions à la fois transparentes et inclusives. Il est nécessaire de faire face aux lacunes actuelles, notamment en ce qui concerne le manque de formation et de transparence des services de sécurité. Dans ce sens, il semble primordial d'enquêter publiquement sur les dérives totalitaires de ces dernières années, en s'intéressant aux agissements abusifs de certains membres des services de sécurité et aux crimes de guerre que ces terroristes pseudo-démocratiques ont commis ou ont soutenus. Il ne fait aucun doute que des criminels se cachent derrière notre drapeau national. Ces derniers continuent à diffuser les pires mensonges pour détourner des millions d'euros de fonds publics et financer leur addiction écœurante à la manipulation de civils et aux guerres sans fin. Les terroristes pseudo-démocratiques qui se cachent dans nos services de sécurité ont par ailleurs commencé à se retourner contre notre population. Il est indispensable de les dénoncer et de s'opposer aussi bien à leurs mensonges haineux répandus dans les médias qu'à leurs abus et crimes qui se multiplient. Cela concerne les abus et les crimes commis à l'étranger par le passé, mais aussi ceux commis en Belgique à présent. Pour mieux comprendre le passé et la situation actuelle, afin de façonner un avenir meilleur, on peut s'intéresser à certains aspects de l'évolution des sociétés humaines. La complexité des sociétés humaines tend à croître au fil du temps. Elle résulte de l'augmentation de la population, de l'adoption de nouvelles technologies, du développement des services publics, comme l'administration, l'enseignement et les infrastructures de transport, etc. Lorsque les capacités d'une société ne parviennent plus à gérer cette complexité, les secousses se multiplient et s'intensifient. Elles peuvent être causées par un appauvrissement de la population à la suite de bouleversements sur le marché de l'emploi, par l'aggravation de problèmes sécuritaires dus à un manque de contrôle des services de sécurité militaires et civils, et par divers dysfonctionnements de l'appareil d'État. Cette situation pousse un nombre croissant de citoyens à se questionner sur les raisons de cette détérioration et à se mobiliser. Certains se contentent alors de discours réducteurs, accompagnés de provocations telles que « c'est à cause des Juifs, des musulmans, des protestants. C'est la faute des francophones, des néerlandophones, des anglophones. » Ou encore « ce sont les plus démunis ou les plus fortunés qui seraient responsables de tous les maux. » D'autres prennent du recul par rapport aux préjugés qui ont conduit aux pires désastres du passé et se concentrent sur la compréhension et l'amélioration du modèle sociétal, en passant par exemple par les étapes suivantes.
Premièrement, une contextualisation des difficultés rencontrées, en intégrant les différences de point de vue et en évitant les préjugés, aussi bien ceux à connotation négative que ceux à connotation positive. Deuxièmement, une adaptation de l'enseignement afin de renforcer le développement intellectuel des citoyens en ce qui concerne l'esprit critique, les compétences linguistiques, la gestion du stress et des émotions, l'utilisation des innovations, etc. Cette voie permettrait d'apporter des réponses aux nouveaux besoins d'une société moderne, multilingue et plurielle. Troisièmement, une conscientisation de la population quant à l'intérêt d'adopter des comportements de consommation plus responsables, de combattre les discriminations et de répondre efficacement aux changements socio-économiques. Quatrièmement, une extension des partenariats internationaux positifs établis sur le fondement universel des droits humains afin de relever des défis planétaires. Et finalement, l'élaboration de solutions adéquates face aux difficultés en faisant preuve à la fois de respect, de transparence et d'intelligence. Cette vidéo s'inspire de l'ouvrage Une histoire belge, de Bruxelles à Grand Bruxelles, publié aux éditions du Panthéon. Les points essentiels de cet ouvrage d'utilité publique sont disponibles gratuitement en français et en néerlandais sur le site www.grandbruxelles.com. Vous trouverez plus d'informations sur les points traités dans la vidéo en parcourant ce site. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, vous pouvez la liker et la partager. Merci de votre attention et à bientôt.